Bonjour, bonsoir tout le monde, ça va de votre qui bon, qui le et qui côté vous attendez nous. Nous disons bienvenue sur le channel Haïtien sur côté A. Donc, côté que nous partageons un peu de vidéo avec un peu d'informations qui est important et nous portons une nouvelle vidéo pour nous suivre. Merci. Vous êtes capable de vérifier si l'immigration est approuvée ou déjà. C'est très simple, vous ne connaissez pas votre sponsor vous attendez pour vérifier avec vous est-ce que vous êtes approuvé ou déjà. Donc et ça fait me créer vidéo ça on va montrer nous qu'il est vraiment facile et pour nous capable vérifier ici qui dans quel processus et application y est et qui ça que l'immigration qui t'a fait déjà. Donc j'ai nous regarder là ça c'est première façon hein, et façon ça c'est aller dans site USCIS là. Donc ben montrer nous qui j'en dit facile pour nous capable faire ça, OK. Donc, nous allons sur Google ou bien tout en ligne ou seulement taper case status, USCIS case status. Donc, il y a un statut capable de dire qu'est-ce que c'est dans quel niveau lié ou seulement cliquer sur ça. Je n'ai pas regardé qui est vraiment facile ou seulement cliquer dans Google. Et puis, l'apparaît pour une page dans Google, c'est si seulement lui-même ou cliquer. Et puis, il y a maintenant nous n'avons pas ça. Côté que vous pouvez demander nous pour entrer en numéro reçu. Donc moi-même, j'ai déjà, m'appelé. Là, j'ai fini d'appeler. Seulement, cliquer sur cette boîte ça qui marque check status, ça veut dire vérifier statut. Et après ça, on clique sur check là, OK? Donc, et au ballon de seconde, donc on a la page à ouvrir. Les icônes que vous recevez application moyen le 21 février 2023 et puis en main numéro reçu, OK. Donc on a vous dire moi ça qui il y a voyé yon reçu ma main mail et puis il y a dit moi qui l'autre étape yo va le franchir ensemble avec et application. Donc c'est vraiment facile, vraiment simple dans étape première étape là et deuxième étape là et c'est application que nous pouvons télécharger sur téléphone nous. Donc il y a plusieurs applications que vous pouvez télécharger, même choisir deux ça parce que ça j'ai une expérience avec yo, yo vraiment bon, yo en peu le monde utilise yo pas aucun problème avec yo. Donc première qui c'est première application que nous gain là, j'en avais un écran qui c'est Case Tracker. Donc on y a là sur aller dans Google encore ou seulement cliquer sur Case Tracker USCIS, OK? Ou faire quand tout ça ou taper li et puis on peser enter et puis enter li maintenant li l'apparaît là-bas toute information qui gagne dans Google de ça. Donc si mon il gagne un iPhone nan men li ou bien tout un téléphone Apple mais que j'en vous download li nan pour mon qui un téléphone iPhone yo et puis l'apparaît comme ça nous après li gagne et emblème ou bien tout symbole avec la sur li et puis j'en ai regardé là si c'est iPad ou bien si c'est iPhone nous gagne. Et il paraît nettement les paraît même gens, c'est même gens les dans Android ou bien tout iPhone et c'est pas grave pour ça. Donc il est vraiment facile. Donc ça c'est Case Tracker, c'est là que vous capable vérifier et application. Et si mon a gagné Android ou bien tout Android, l'appliquer sur ça là et puis l'apparaît là. Donc et puis mais côté que mon ali a metté numéro question ou bientôt reçu numéro reçu, OK. C'est très simple, on va seulement cliquer sur petit plus ça et puis l'appareil constante dit ça qui entrer numéro 1 pour taper numéro 1, OK. Là que fin d'appel taper numéro 1 et puis deuxième étape là c'est vérification, OK. Donc et ben moi vérifier dans pamna dans téléphone pamna et puis il y a tout consacré dans quel niveau que vous yé ensemble avec caisse là j'en ai regardé là et ça c'est un monde qui était sketch job capable dire consacré qui était gain rendez-vous le 30 décembre quand on marqué consacré c'est interview qui était faite et gain fingerprint qui date que ça été approuvé vous comprenez c'est étape par étape ça, OK. Donc et ça lui même là il a montré qui s'accrivé et dans qui étape tu y ensemble avec application qui c'est deuxième qui c'est première application et deuxième étape là qui est le case tracker et puis toute information qui nous besoin
li a nan aplikasyon et ou kapab gen plus ki 15 numéro reçu ou bien tout case en bas aplikasyon et ou kapab verifye tout sa ou net ki genyen en bas aplikasyon ki vraiment simple et ou kapab télécharger li pou iPhone ou bien tout pou Android et ou seulement mette numéro reçu ki ou genyen ki vraiment facile et puis la base d'information. Et yon autre banro ke mwen remè nan aplikasyon sa, se ke l ban pil enfòmasyon de imigrasyon. Et jan ke nan gade la, li montre ke ki kote si gen plizye tip de visa, tout ba sa ou si gen visa etudyan, visa travay, tout enfòmasyon sa ou yo update nan aplikasyon. Et on lòt kote ankò mwen remè se resous yo. Aplikasyon sa chaje resous, jan nan gade la ou kapab nan kou e fè recherche pou yon ajan ou yon office immigration ki tout prè la pou ka jwenn li pa itilize. Si ou itilize aplikasyon sa ki vreman fasil. E ou kapab chanje adres ou, ou kapab e cheke pou processing times. Sa ve di koun ala konbyen tan pou prosesus nan pran, pou nenpòt ka ou genyen, si se visa humanitaire lan wap cheke, parol la ou bien tout visa étudiant, visa travail. Ou kapab fè tout sa yo, ou kapab cheke I-94 ou bien tout se I-94 nan, lè ou aprive nan POA ou bien tout Miami. Ok? Ou kapab pran test, info pass se la ki ou tan kou ou schedule yon rendez-vous avec immigration. Ok? C'est très simple, c'est vraiment facile et c'est